Et Raël avait longtemps couru pour échapper aux inconnus qui le poursuivaient. Qui était-il ? Seul le clapotis des eaux sombres de la rivière et le bruissement des arbres de la forêt proche venaient rompre le silence. Debout devant la statue, le jeune Ka fléta en prière. Un article qui relatait l'expérience dans un collège de métropole. Comme j'ai trouvé l'initiative très intéressante, je l'ai proposé au conseil pédagogique. L'expérience a démarré au mois de janvier de l'année suivante. Ici, l'option retenue, ça a été de prendre de grappiller quelques minutes de cours sur chaque séquence, donc répartir équitablement le quart d'heure sur toutes les disciplines. Dans le temps qui est dégagé chaque jour, ça peut sembler pas grand-chose, hein, c'est juste un décalage de 10 minutes, un quart d'heure par jour. Mais en réalité, si on le met à l'échelle de la semaine, ça permet de dégager quand même un temps de lecture de quasiment une heure et quart. Les élèves ont le choix entre les livres de la maison, ceux du CDI, ceux de la médiathèque, et puis ceux qu'on peut éventuellement, nous enseignants, donner au coup par coup. Le projet Silence en lit, c'est un projet qui me semble très important parce que ça permet effectivement de toucher toute une population d'élèves qui sont en général quand même pour la plupart d'entre eux très peu lecteurs. Ce que j'observe moi avec mes classes, surtout avec les élèves les plus jeunes, les sixièmes notamment, c'est quand même une petite respiration dans la matinée. Là où c'est surtout le plus intéressant, c'est pour des élèves qui en réalité n'avaient aucun temps de lecture. C'est-à-dire qu'en dehors des temps scolaires sur la lecture de documents, ils n'avaient jamais de temps de lecture et ils ne connaissaient pas ce que c'était que la lecture de la fiction. Ça crée un rituel de lecture que 90% des élèves n'ont pas. C'est pas tout le temps que moi je lis, j'aime pas trop lire et ça m'a donné un peu plus de courage pour lire. Silence on lit, ça nous calme. On peut aussi apprendre des choses dans les livres.